Un jour, un fleuve s'est perdu dans un désert. Jamais il n'en ressortit. Les eaux bleues du fleuve égaré tentèrent, en creusant de larges méandres, d'échapper à leur piège de sable. Mais celui-ci les absorba inexorablement. De cette étrange relation naquit le plus extraordinaire des jardins africains, le delta de l'Okavango. Initialement destinés à l'océan Indien, les eaux de l'Okavango ont vu leur cours détourné à la suite d'un accident géologique pour devenir le joyau du Botswana, un petit territoire d'Afrique australe, jusque-là oublié des dieux. Refuge idéal pour les animaux, le delta de l'Okavango ressemble au paradis sur Terre. Mais ce n'est déjà plus qu'une arche de Noé, concentrant parfois jusqu'au quart de la population de certaines grandes espèces africaines. Si l'on y prend garde, cette grande faune ne survivra pas au XXIe siècle. Ushuaïa Nature se rend dans l'un des derniers Édens animaliers pour mieux comprendre un phénomène que les autorités du Botswana essaient de ne pas rendre inéluctable. Ailleurs, il est parfois déjà trop tard. Ça, c'est quand même magnifique. C'est vrai que quand on voit l'apparente tranquillité des animaux partout ici en Okavango, on a du mal à s'imaginer que le 21e siècle puisse sonner le glas de la grande faune africaine. Mais les images sont trompeuses et beaucoup de spécialistes, malheureusement, pensent que le compte à rebours a probablement déjà commencé. Et vous voyez, par exemple, ces deux éléphants, ils ont été sauvés de justesse de l'abattage par Sandy et Doug Groves. Parce que le paradoxe, c'est que dans les États africains qui font la meilleure préservation, la conséquence, c'est qu'ils ont des problèmes de surpopulation avec un territoire pour les animaux trop petit. Et beaucoup d'États procèdent chaque année à de pathétiques abattages collectifs. Et ces animaux ont échappé de très peu à ce triste destin. Bonsoir. Il y a une chose qui est certaine, c'est que si la disparition des dinosaures il y a 60 millions d'années donne lieu encore aujourd'hui à des controverses scientifiques, l'hypothétique disparition de la grande faune africaine, elle, ne donnera lieu à aucune énigme scientifique, car la cause en est d'ores et déjà connue. La cause, c'est l'homme. Et Dieu sait que les problèmes sont complexes et que nous, les Français, on est particulièrement mal placés pour donner des leçons de préservation à quiconque quand on voit la lamentable manière avec laquelle on a été incapable de gérer la cohabitation en France avec une poignée d'ours ou de loups, alors a fortiori avec des animaux beaucoup plus embarrassants, d'autant qu'ici, en Afrique, le problème est économique et non pas un problème d'éthique. Quoi qu'il en soit, malheureusement, en Afrique, où que l'on aille, les grands animaux sont menacés comme si leur grande taille les empêchait définitivement d'être tranquilles. La compétition de territoire entre les hommes et les animaux semble sans issue. Même ici, en Okavango, qui ressemble en tout cas, non pas au paradis, mais tout au moins à une de ses annexes les plus prestigieuses, les menaces et les convoitises se font chaque année un peu plus pressantes. Pour l'heure, en tout cas, ce que l'on va faire, c'est que, en compagnie de quelques-uns qui consacrent leur existence à l'étude et à la compréhension des grands animaux, on va s'immiscer pendant près de 90 minutes dans quelques-uns des plus beaux sanctuaires de la vie sauvage, en Afrique australe et en Afrique de l'Est, pour que jamais dans notre esprit, ils n'apparaissent comme de simples éléments mobiles dans un décor immuable qui pourtant nourrit et comble nos songes depuis notre tendre enfance, mais bien pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des êtres vivants, exceptionnels, dotés de facultés magnifiques.
comme ces éléphants que les spécialistes et les scientifiques qui les étudient considèrent comme les animaux les plus intelligents. Voilà, où soyez la nature a l'habitude de vous convier à écouter la musique du vivant. Ben ce soir, ce n'est pas une petite mélodie discrète que l'on va écouter, c'est une symphonie tonitruante. Alors on va se pousser un petit peu. Ces éléphants sauvés par Doug et Sandy Groves ont retrouvé au cœur de l'Okavango une innocence dénuée de stress. Peut-être pour remercier les hommes qui dorénavant partagent avec eux la vie quotidienne du bush, ils se prêtent volontiers à des rencontres avec les populations locales environnantes. Doug et Sandy ont entamé une longue croisade. Faire comprendre que les éléphants ne sont pas les animaux dangereux et destructeurs que les villageois imaginent, mais bien au contraire des êtres intelligents et sensibles avec lesquels il est possible de cohabiter. J'ai l'impression d'être dans un nid d'anaconda. Marula, right? Good. The big one's getting a little jealous, good. I think. J'en ai un qui est en train de m'explorer l'arrière-train. What he is doing now? Qu'est-ce qu'il fait là? He's just, en gros, il vous explore. Ils utilisent leur trompe de façon un petit peu comme nous, nous utilisons nos mains pour explorer, tâter et manipuler les objets. La trompe est leur premier organe sensoriel. Elle comprend à la fois l'odorat et le toucher, ce qui est exceptionnel. C'est un petit peu comme si vous aviez l'odorat au bout des doigts. Imaginez un petit peu la sensation. Oui, parce que le langage chimique chez les animaux, mais chez les éléphants en particulier, est très important. Et là, il est en train de faire un inventaire de ma propre personne. Toutes ces informations vont lui permettre soit de se rassurer, soit de s'inquiéter. J'espère que ça va plutôt l'apaiser, mais il n'a pas l'air franchement très inquiet. Je voudrais vous montrer quelque chose à propos de la trompe. Ces deux protubérances, en forme de doigt, à l'extrémité de la trompe, sont extrêmement sensibles. Elles sont musculeuses et surtout préhensibles. Alors que chez l'éléphant indien, l'extrémité inférieure, ici, n'a pratiquement pas de lobe. Elle ne se termine pas en doigt, comme chez l'éléphant d'Afrique. Alors, évidemment, ce qui caractérise aussi les éléphants, c'est leur précieuse défense, qui sont malheureusement l'objet à la fois le plus utile et en même temps leur pire péril, car ça suscite de telles convoitises. Pourquoi est-ce qu'ils les utilisent? Only to fight. Seulement pour se battre? Non, pas seulement pour se battre. Évidemment, ils les utilisent pour se bousculer un petit peu, mais surtout pour creuser le sol. Et elles leur servent aussi à arracher l'écorce des arbres pour en manger la couche interne. Un truc extraordinaire qu'il faut voir, c'est que les éléphants sont entre autres très friands de l'ivoire végétal que donnent certains palmiers ici. Et alors il faut voir l'éléphant se mettre comme ça contre le palmier. Le tronc entre ces deux défenses et donner des grands coups de tête jusqu'à ce que l'ivoire végétal tombe par terre. Et après, évidemment, on peut le consommer. À propos des défenses, ce sont aussi des dents. Et puis à l'intérieur de la bouche, ils possèdent des prémolaires et des molaires, trois séries de chaque, soit six séries de dents en tout. Alors ça, c'est quand même un point de vue excessivement rare, parce que évidemment, si jamais on a l'occasion en Afrique d'avoir un tel point de vue, c'est qu'il y a quand même péril en la demeure. Combien de fois dans leur vie ils perdent leurs dents? Cinq fois. Oui, parce que quand après ils perdent une ultime fois leurs dents, évidemment, les vieux mâles ne peuvent plus, enfin même les femelles, se nourrir. Et c'est le début du déclin. Et alors, les oreilles ont un rôle essentiel chez les éléphants. On va toucher l'arrière des oreilles. C'est très lisse et très doux. À cette heure-ci, il ne fait pas encore trop chaud. Mais plus la température va augmenter, et plus ces vaisseaux sanguins vont se dilater, jusqu'à atteindre le diamètre d'un tuyau d'arrosage. On voit bien ici toutes les terminaisons sanguines. Tout le sang passe ici dans les oreilles. Et ce mouvement des oreilles permet à l'ensemble du corps de se refroidir. Autre chose, on va en profiter que l'éléphant soit au contact, c'est que ce qui caractérise évidemment ces animaux, qu'on appelle des pachydermes, en grec ça veut dire peau épaisse, c'est effectivement l'épaisseur de leur peau, qui fait par endroits jusqu'à 2,5 cm. La peau est très sensible généralement. Oh oui, elle est incroyablement sensible, y compris aux moustiques et aux mouches qui piquent. On a du mal à concevoir qu'un tel mastodonte puisse être inquiété par un moustique. Comme quoi, hein,
toutes les vertus ne sont pas dans la grande taille. Mais où est le loup ? On peut jeter un coup d'œil sous la plante des pieds. Oui, on peut voir ça chez Timby. On va lui demander de se coucher sur le côté et de nous montrer son pied. Timby, couche-toi. That's a very good girl, Timby. Now we just have to move a little. Pendant qu'elle est couchée, il faut se mouvoir très doucement autour d'elle. Vous pouvez sentir la plante du pied, comme ceci. C'est une sorte de corne calleuse, comme nous avons nous-mêmes quand on marche beaucoup pieds nus. Et si on appuie, on sent une grande élasticité. Il y a comme un coussin adipeux sous les pattes qui leur permet, quand ils marchent, de bien répartir tout le poids de leur corps. Et ceci explique d'ailleurs que les éléphants laissent des empreintes qui ne sont pas du tout profondes. Et ça explique aussi l'extrême discrétion avec laquelle même un troupeau d'éléphants peut se déplacer dans le bush. Sandy, est-ce que vous êtes capable de lire dans les yeux des éléphants leurs émotions ? Bien sûr. Quand ils sont d'humeur pacifique, leur regard est très doux. Et s'ils sont excités, leurs yeux se dilatent. Ils sont très expressifs. Ils montrent leurs émotions, comme nous. Mais en général, ce sont des animaux plutôt gais. Nice visit. Belle visite. Pendant longtemps, on a cru qu'on était incapable de domestiquer les éléphants africains. Eh bien voilà la démonstration du contraire. Et cela s'est fait par tout un travail de complicité et de confiance progressif sur des mois et des mois entre Doug, Sandy et leurs trois pensionnaires. Wow. Thank you. Ah, c'est un exercice hein, pour se lever le matin. Alors, quand on quitte des éléphants, généralement on évite de les saluer de trop près, à l'exception des trois compagnons de Dove et Sandy. Voilà, au revoir, à bientôt. Oui. Il a l'air d'apprécier. Bon, on va peut-être en rester là. Pas trop d'effusion. Et plus si affinité. Voilà. Voilà. C'est très bien. Bon. Alright, Timby, alright, Timby back. Timby back. Au niveau odorat, c'est pas ça. Ok. Bravo. C'est efficace. Perfect. Tu peux t'accrocher aux oreilles, Nicolas. Surtout s'il accélère. Les éléphants ne courent pas, mais ils peuvent marcher très vite. À près de 40 km à l'heure, leur déhanchement est insupportable pour celui qui les monte. Nicolas part rejoindre Peter Catt, un biologiste qui consacre sa vie à l'étude des lions du Botswana. Les lions sont aussi sur la liste noire des grands mammifères en danger, mais dans une moindre proportion que l'un de nos plus proches cousins, le gorille de montagne. Réfugiés aujourd'hui à la jonction de trois pays à la géographie difficile, ces gorilles ne sont plus que 600, répartis entre le Congo, l'Ouganda et le Rwanda. La sanglante guerre civile qui a éclaté au Rwanda en avril 1994 a longtemps coupé les gorilles de leurs protecteurs, les biologistes internationaux et les gardiens locaux. Depuis, les scientifiques sont revenus.
Annette Langeou, d'origine néerlandaise, travaille au Rwanda depuis plusieurs années. Elle a la charge de fédérer le travail des gardiens des trois pays sur lesquels évoluent les gorilles. Souvent sur le terrain, elle connaît bien les hôtes étranges de ces forêts pluviales. Des heures de marche sont nécessaires pour atteindre leur territoire, situé entre 2000 et 3000 mètres d'altitude sur les pentes de la chaîne des volcans. Oh non, c'est plus que 16 même. Un ranger l'accompagne toujours. Il sait où trouver exactement ces grands primates qui sont, avec les chimpanzés, les mammifères vivants génétiquement les plus proches de la race humaine. Annette Langeou note scrupuleusement l'attitude des gorilles, comme l'a fait Diane Fossé à son arrivée ici en 1967. Si les hommes peuvent aujourd'hui observer de si près les gorilles de ces montagnes, c'est parce que Diane, assassinée dans des conditions encore obscures la nuit du 25 au 26 décembre 1985, avait su établir une confiance réciproque. Les années ont passé, les grands singes à la force herculéenne n'ont pas oublié. Il mange encore les crottes, là. Oui, il mange les crottes. Les bambous, les fruits et parfois les insectes sont inscrits à leur menu quotidien. Ils partagent l'essentiel de leur temps à se nourrir, à faire la sieste et l'amour. La nourriture encore abondante et variée leur évite d'avoir à se disputer un espace vital qu'une démographie humaine galopante leur conteste un peu plus chaque jour. Mais il faut qu'on complète notre liste de tous les gorilles avec les photos. Il faut que tu me montres ceux qui n'ont pas encore de photos. Ici, c'est Picasso. Les scientifiques essaient d'établir une carte d'identité de chaque individu. Beaucoup possèdent déjà un nom, mais tous n'ont pas encore de photographies en bonne et due forme. À défaut, les rides, les cicatrices, une manière de se déplacer, de s'asseoir, d'agir ou de réagir, servent à les distinguer. Pour un spécialiste, aucun visage de gorille ne ressemble à un autre. Il est vrai, bon. Oui. Il y a un autre juste derrière nous. Oui, oui. Derrière nous, il y a une autre. Qui avançait. C'est un problème avec le bambou. Oui. Ils sont un peu partout. Si, si. Ok, cette feuille-là. C'est ça que je veux savoir. On s'appelle Nyarwanda Umuse. Umuse. Umuse, oui. Ah, il dort. L'explorateur américain Stanley avait surnommé cette région les ténèbres de l'Afrique. C'est dire si la végétation des monts Virunga est dense et difficile d'accès. La jungle ici a conservé quelque chose de la préhistoire. Jusqu'à près de 3000 mètres, les bambous géants occupent la majeure partie du terrain. Mmh.
On doit à Diane Fossé d'avoir pulvérisé les idées reçues concernant ces primates. Ce ne sont pas d'affreux sanguinaires, mais de doux herbivores et frugivores, timides et craintifs. Fortement hiérarchisés, les clans suivent leur chef, un énorme mâle reconnaissable à son dos argenté. Même lui n'est pas foncièrement agressif, mais il ne faut pas le provoquer. Dans ce cas, l'animal se frappe la poitrine, puis fait mine de charger. Avis aux inconscients. À deux bras, un gorille soulève 500 kilos. En fait, très peu d'humains ont eu à subir leurs assauts, sauf quelques braconniers qui les avaient blessés. En présence d'un patriarche, surtout s'il se met à bâiller, signe d'énervement, l'humilité est de mise. Les guides savent parfaitement l'attitude à adopter pour éviter toute tension excessive. Il faut courber l'échine en signe de soumission, ne pas faire de mouvements brusques, et surtout éviter de fixer l'animal droit dans les yeux. Quelques bruits de bouche significatifs indiquent au gorille qu'il n'est pas en présence d'un rival potentiel. Annette Lanjou et le guide partent à la recherche d'un autre clan, comme l'on va visiter des amis. Ces montagnes, à l'apparence paisible, comptent pourtant parmi les plus actives du monde. Plus d'une douzaine d'éruptions volcaniques durant le seul XXe siècle. Les jeunes gorilles sont loin d'imaginer les multiples dangers suspendus au-dessus de leur tête. Insouciants, couvés par leurs parents, ils s'ébattent dans les arbres et les clairières. Ils passent tout leur temps à se chamailler gentiment, testant leur force et leur agilité. Ah, le petit qui joue. Ah, la maman avec. Avec un enfant. Comment ne pas ressentir une émotion troublante en observant les activités ludiques de ces juvéniles au milieu de leur famille? Les longues études sur le terrain initiées par Louis Liquet, paléontologue kényan qui cherchait au travers du comportement des grands singes à comprendre l'évolution de nos lointains ancêtres, commencent à porter leurs fruits. Lorsqu'il a demandé dans les années 60 à Diane Fossé, Jane Goodall et Birute Kaldikas de faire leur thèse respectivement sur les gorilles de montagne, les chimpanzés et les orangs-outans, il n'imaginait pas à quel point les primates supérieurs, dont l'homme, sont assis sur la même branche. Une poussière de temps au regard de l'évolution nous sépare des gorilles, alors qu'un immense abîme existe entre eux et les singes à queue, comme les babouins ou les macaques. Peu de végétaux résistent à ces colosses tout en muscles, de 1,80 m et pesant plus de 200 kg. Avec eux, les bambous réputés solides ne plient pas, ils cassent net. Mais c'est avec une infinie délicatesse qu'ils dégustent l'objet de leur convoitise. Les gorilles des montagnes sont faits pour la paix.
la cohésion du groupe est assurée avec calme par les mâles. Chaque femelle en choisit un en fonction de la sécurité qu'il lui procure à elle et à sa progéniture. Diane Fossé a été la première à étudier le comportement de ces primates et à constater l'attention de tous les instants dont bénéficient les jeunes gorilles dès leur naissance. Difficile parfois de ne pas trouver de similitude avec les attitudes humaines. Selon les scientifiques, ils peuvent émettre plus de 22 vocalisations différentes, utilisent des mimiques spécifiques et divers mouvements subtils du corps pour communiquer. Bien des expressions silencieuses n'ont pas besoin d'être décryptées tant elles ressemblent aux nôtres. Comme les hommes, les gorilles sont chatouilleux, attrapent le fou rire, expriment la tristesse, la joie, la fatigue et la peur. Les études menées sur les gorilles et sur leurs cousins chimpanzés nous apprendront peut-être à terme pourquoi et comment l'espèce humaine s'est un jour évadée de la planète des singes. Est le seul guide de brousse français du Botswana. Il connaît bien l'immense réserve de Moremi, au cœur du delta de l'Okavango, où vivent de nombreux groupes de lions. En compagnie de Nicolas, il va à la rencontre du biologiste Peter Catt. Ce scientifique mène les rares recherches génétiques sérieuses faites sur le grand félin africain. Peter a établi son camp de toile en plein bush, à la lisière de la réserve, où il vit avec sa compagne Kate Nichols et leurs enfants. C'est chez toi, ici ? Mm-hmm. Tout cet endroit ? Oui. Tout autour, là. And where is your room ? Où est ta chambre ? Tu vois cette tente-là ? C'est celle de mon papa et de ma maman. Et là, c'est la mienne. You sleep alone here ? Non. No, not alone. Non, il dort pas tout seul. J'aurais du mal à... Parce que les lions qu'étudie Peter, on est dans leur territoire. Ah, tout à fait. Ouais. How are you? Hello. For us, pour nous, c'est un endroit incroyable ici. You know. Peter. How are you? Kate, when did you arrive, you and everybody here? Quand est-ce que vous êtes arrivé ici pour la première fois? Il y a 3 ans et demi. Comment vous faites pour vivre, vous et vos enfants, ici, au milieu notamment des lions, des éléphants, des buffles, des hyènes, des serpents? Comment vous faites? Il faut être très prudent. Il n'y a même pas de clôture, rien? Non, il n'y a rien. Mais si on est raisonnable, ça n'est pas dangereux. Et nous observons des règles très strictes dans ce camp. Nous disons simplement que ce petit bout de brousse est à nous. Et il n'est jamais arrivé que vous rentriez dans une tente et il y a un lion ou une hyène dedans? Non. Un soir où j'avais fait mon discours habituel à tout le monde, vous n'avez pas le droit de marcher dans le camp la nuit. Tout le monde doit circuler à bord d'un véhicule jusqu'à sa tente, même ici. Et il soupirait d'exaspération. Et juste au moment où je disais ça, 2 grands lions mâles sont passés juste devant la tente. Et ils ont compris immédiatement pourquoi j'avais institué cette règle extrêmement stricte. Oakley, t'as jamais peur des lions ou des animaux sauvages? Quelquefois, oui. Quelquefois? Tu ne dors jamais seul, mon bébé. Ce qu'il faut quand même bien expliquer, et c'est entre autres le travail que vous essayez de faire et le cri que vous essayez de pousser, c'est de dire que les lions partout en Afrique sont en danger. Et vous, je sais que vous avez envie de les faire passer en annexe 1 de la Convention de Washington, c'est-à-dire comme une espèce en danger. Et vous voulez prouver ça scientifiquement. Aujourd'hui, tout le monde s'intéresse aux éléphants. Parce qu'ils ont une très bonne presse, tout le monde essaye de les protéger. Mais ce qui est nécessaire, à mon avis, c'est que le monde doit ouvrir les yeux sur le sort de beaucoup d'autres espèces, notamment les lions. Parce qu'il doit rester en Afrique entre 12 et 15 000 lions. Que se passe-t-il quand il reste une population de 20 lions au Sénégal? Ils seront morts dans un an.
Quand il reste 50 lions en Ouganda, ça veut dire qu'ils disparaîtront très rapidement parce que ces populations ne sont plus viables. Mais ça s'est passé doucement, sans qu'on s'émeuve. Personne n'a l'air de se rendre compte qu'une espèce qui voit son habitat décliner à ce point doit absolument être protégée beaucoup mieux qu'elle ne l'est aujourd'hui. Parce que personne ne connaît vraiment bien la biologie des lions et on ne peut pas protéger une espèce si on ne la connaît pas. C'est quoi ça, Oakley? C'est un lion mâle. Il était malade. Il a la patte cassée. Comment? Tu sais pas, peut-être en se battant, non? Il a peut-être reçu un coup de pied de girafe. Oui. Tu vois ce truc plat ici? S'il avait été vraiment très vieux, ce truc aurait été très très plat. Mais ce lion n'était pas si vieux, donc c'est pas trop aplati. Donc il n'était pas si vieux. Est-ce qu'il y a un lion dans le groupe que ton père étudie que tu préfères? Oui, mais il doit être très vieux maintenant. Il s'appelle Bordeaux. Bordeaux? Ah oui, moi aussi, c'est le Bordeaux que je préfère. Good. May we try to find them now? Sure. Okay, let's go. Thank you, Claire. Peter Cat a donné aux lions qu'il étudie des noms de grands vins français. Bordeaux, Médoc, Sauvignon, Sancerre. C'est, dit-il, plus convivial que de simples numéros. Depuis son installation, Peter a équipé de colliers émetteurs une quinzaine de lions, mâles et femelles, après les avoir préalablement endormis. Le radio-tracking lui permet ainsi de suivre les interactions entre les différents groupes constitués, chaque collier émettant un signal personnalisé. Comme les lions sont territoriaux, il ne faut guère de temps à Peter pour trouver un premier grand mâle. Quel est son nom? Médoc. Médoc, le fait qu'il soit seul, c'est normal? Il est tout seul, mais avant, il était avec un autre mâle. Comme son compagnon est mort en janvier dernier, maintenant, il est tout seul. Ce qui se passe, c'est que deux autres mâles sont arrivés sur son territoire. Ces nouveaux mâles copulent actuellement avec certaines de ses femelles. Mais il a une chance de reconquérir des femelles? C'est très difficile pour un lion seul. S'il peut trouver un nouveau compagnon avec qui s'associer, c'est possible. Parfois, nous observons de vieux lions qui s'associent avec un lion plus jeune, et là, ils peuvent reconquérir un groupe. Mais normalement, la fin de vie des vieux mâles est solitaire? Oui, je le pense. Dans cette zone, nous suivons actuellement 4 lions solitaires. Et il y a 2 semaines, nous en avons découvert un qui s'était fait tuer par 2 autres mâles. Hey, c'est pas de tourpeau alors. Le roi de la brousse n'est pas si tranquille qu'on l'imaginait. Les travaux de Peter couvrent un large champ de recherche. Ils tendent à démontrer que le lion n'est pas un animal social au sens classique du terme. Il n'y a pas de dominant et de dominé dans les groupes, et les relations de parenté sont extrêmement compliquées à démêler. Cela est dû au fait que chez les lionnes, l'ovulation est induite par les rapports amoureux qu'elle entretient avec le partenaire le plus expérimenté. Mais c'est souvent un deuxième mâle, plus jeune et plus timide, qui est le véritable géniteur des futurs lionceaux. L'espèce est ainsi régénérée et l'amour-propre de chacun est sauf. Nice. Quand on voit ça, on a du mal à imaginer que ça va devenir des tueurs redoutables. Le nouveau mâle n'est pas le père de ces deux lionceaux, mais il les a acceptés comme les siens, car il s'était accouplé avec cette femelle.
Elle avait caché ses petits jusqu'à ce qu'elle copule avec lui. Environ une semaine plus tard, elle est apparue avec les lionceaux. Du coup, il les a pas tués. Le mâle, comme il ne sait pas compter, il ne sait pas que la gestation dure 110 jours. Donc même si les lionceaux font leur apparition au bout de 10 jours, il croit qu'ils sont de lui. Les femelles sont donc très rusées pour protéger leurs petits. C'est difficile de reconnaître les siens, quoi. Exactement. C'est ce que Peter et Kate essayent de prouver avec leur recherche sur l'ADN. D'accord. Un mâle peut se reproduire jusqu'à quel âge? Jusqu'à sa mort. Oui, il peut se reproduire jusqu'à ce qu'il meure. Good. Bonne chose, au moins. Ce qu'on observe, c'est que ce sont les mâles les plus âgés, les plus expérimentés qui s'accouplent le plus. Comme quoi l'expérience, ça sert, hein? Autre phénomène que nous étudions, certaines femelles sont de très bonnes mères, d'autres non. Tu vois, quand les éléphants ont des petits, ils sont extrêmement protecteurs à leur égard. Parce que la gestation et l'élevage d'un petit prennent beaucoup de temps. Mais chez les lions, la gestation ne dure que 3 mois. C'est très court. Alors si une femelle a des petits, à un moment où elle ne se sent pas très en forme, ou bien quand elle trouve peu de nourriture, ça ne la soucie pas d'abandonner ses petits et d'attendre une nouvelle portée 4 mois plus tard. Elle s'investit davantage quand les lionceaux sont un peu plus grands et qu'elle passe plus de temps à leur apprentissage. Combien dure la période d'apprentissage? Pour les lionceaux, l'apprentissage dure très longtemps, environ 2 ans. Et ensuite, ils ont encore beaucoup besoin de leur mère, jusqu'à 2 ans et demi, avant d'être complètement indépendants. À plusieurs reprises, je vous ai entendu parler d'intelligence avec les lions. C'est par hasard ou c'est un choix? Je crois que tous les prédateurs sont des animaux très intelligents. Cette intelligence est nécessaire à leur survie. Un lion ne peut pas courir aussi vite qu'une antilope. Il a donc besoin d'intelligence pour concevoir une stratégie qui lui permettra d'attraper l'antilope. Il y a 15% de succès dans une chasse de lion, donc contrairement aux apparences, ce ne sont pas des prédateurs aussi efficaces que ça, quoi. Non, on les a vus essayer de chasser et ils commettent beaucoup d'erreurs. Je crois que quand ils capturent une proie, c'est une question de chance. Soit parce que l'animal qu'il chasse se jette dans la gueule du loup, soit qu'il s'affole, qu'il tourne dans la mauvaise direction, par exemple, et que le lion lui saute dessus. J'ai l'impression que depuis le temps que vous étudiez les lions, vous êtes assez inquiet pour leur avenir. C'est tout à fait vrai. Les parcs naturels ne bénéficient d'aucun financement. Le braconnage y sévit et je crois que les lions ont énormément souffert dans ces régions. Sont-ils capables de survivre encore 20 ans? Nous avons besoin d'apporter des réponses à ces questions. Ouais, ce qu'il faut dire, c'est que le paradoxe, c'est que autant beaucoup se font un business sur la vie sauvage, autant la recherche scientifique est un peu le parent pauvre. Et quand on voit que Peter et Kate sont, pour toute l'Afrique australe, les seuls à faire des études sérieuses génétiques sur les populations de lions, alors qu'il y a des problèmes avec les lions, par exemple au Kruger's Park, qui sont victimes de la tuberculose. Au Serengeti, des centaines de lions sont morts à cause de la maladie de Carré. Beaucoup de lions ont contracté la forme féline du sida. Si l'on ajoute à ça le braconnage et les compétitions de territoire avec les hommes, ça fait beaucoup. Et tu sais, partout où il y a des lions, il y aura conflit avec les humains. Les lions chasseront toujours le bétail, les lions mettront toujours en danger la vie humaine. Donc partout où il y aura contact, ce sont les lions qui devront céder du terrain. Les lions ont l'air forts et puissants, mais
En réalité, ils sont très fragiles sur bien des plans. Peter et sa compagne effectuent la majeure partie de leurs observations au crépuscule. Si les lions semblent un peu inertes de jour, la nuit, en revanche, les rend débordants d'activité. C'est le moment où ils partent en quête de leurs amours ou de leur repas. La curée. Le zèbre aura nourri jusqu'à 18 lions. Dans la brousse, les cadavres d'animaux n'ont jamais le temps de pourrir au soleil. Au petit matin, il ne restera rien de cet animal de près de 400 kilos. Le lion mange généralement à sa faim. Ce n'est pas le cas de tous les prédateurs africains, notamment en Tanzanie où ceux-ci voient le grand fauve se réserver la part du lion. Partout où existe une vie sauvage, des scientifiques dédient leur existence à l'observer pour mieux la comprendre et la protéger. Loin du delta de l'Okavango, où le bush limite la visibilité à quelques dizaines de mètres, Sarah Durand passe des heures à scruter le moindre mouvement dans l'herbe jaune de la savane. À l'ouest de la Rift Valley, dans l'immensité des plaines du Serengeti, se joue un drame que l'abondance du gibier ne laisse pas présager. Ici, en effet, le plus rapide des prédateurs, l'élégant guépard, meurt littéralement de faim. Ce splendide mammifère sauvage a longtemps été l'animal de compagnie préféré des pharaons, des princes et des rois. Ce coureur aux yeux jaunes est envers l'homme le moins agressif des grands félins, même lorsqu'il est sur son territoire. Habitué à voir ce véhicule sur son terrain de chasse, la curiosité le pousse parfois à l'utiliser comme un promontoire naturel. La biologiste travaille depuis 9 ans pour le Serengeti Cheetah Project. Elle a mis en évidence que l'étendue des réserves africaines n'est pas suffisante pour assurer la survie du guépard. Jadis, l'aire de répartition des guépards s'étendait du Cap de Bonne-Espérance aux confins septentrionaux de la Russie. Ce gigantesque territoire s'est rétracté comme une peau de chagrin. Au début du siècle, on comptait environ 100 000 spécimens répartis à travers le monde. Il en reste quelques milliers, dont 300 dans le Serengeti,
qui souffre d'un manque évident de brassage génétique. Or, un guépard adulte a besoin d'un territoire de chasse de 700 km². Et dans cette réserve tanzanienne, cette surface est divisée par 10. Camouflé par son pelage osselé de taches noires et pleines, des jambes longilignes, des griffes non rétractables, 45 kg de muscles sans un gramme de graisse, tout concourt chez lui à faire un chasseur redoutablement efficace. La machine est parfaite, et pourtant... mais piètre tacticien, le guépard éprouve les pires difficultés pour manger à sa faim un jour sur trois, et encore. Bien souvent, ses charges, à près de 120 km à l'heure, n'aboutissent pas. Les petites gazelles de Thompson, ses proies favorites, repèrent le guépard à plusieurs centaines de mètres dans les terrains dégagés, adaptés à ses courses folles. Lançant ses attaques de trop loin, il épuise rapidement ses maigres ressources, alors que les petits herbivores bien nourris détalent allègrement dans toutes les directions. S'il court deux fois plus vite que la plupart de ses proies, le guépard ne tient pas la distance. Certains sont parfois morts foudroyés avant la fin de leur terrible sprint. Le cœur n'a pas tenu. Sarah Durand a observé que la concurrence avec les super-prédateurs tels que les hyènes ou les lions jouait en défaveur du guépard. Lorsqu'il arrive enfin à attraper une gazelle, il voit en effet converger vers lui tous les picassiettes de la savane. Alerté par des vols de vautours manquant singulièrement de discrétion, les hyènes arrivent dans les minutes qui suivent une chasse réussie. Leurs énormes mâchoires en font des adversaires trop redoutables pour que le guépard puisse défendre son bien. Le ventre toujours vide, le félin laisse la place. Le chasseur devient fugitif et se laisse voler sa pitance. Armés pour déchiqueter la viande, ne profitent guère plus longtemps du festin ainsi offert. Un prétendant beaucoup plus puissant qu'elle a décidé lui aussi de s'inviter. La lutte serait par trop inégale. Tout combat est impossible. Les hyènes battent en retraite et rejoignent à bonne distance le guépard, premier propriétaire de la dépouille. Le lion n'a plus qu'à se servir.
Lions et lionceaux ont suivi en nombre le roi de la savane, superbe mais guère généreux. Après lui, s'il en reste. Agacé par tant de spectateurs, le grand lion tourne les talons, traînant avec lui la carcasse pour la déguster à l'abri des regards concupiscents. Si le nombre des lions du Serengeti est bien connu, ils sont plus de 3000, soit 10 fois plus que les guépards, il n'en est pas de même pour les hyènes. Le travail de Sarah Durand consiste aussi à les comptabiliser dans les territoires fréquentés par les guépards. Pour attirer les charognardes, elle diffuse l'enregistrement d'un gnou agonisant. L'effet est immédiat, elles accourent de toutes parts. Contrairement aux idées reçues, ces prédatrices, dont les adultes pèsent jusqu'à 80 kg, ne se contentent pas de se nourrir d'animaux morts. Lorsque la faim les tenaille, elles s'attaquent en bande à des proies beaucoup plus grosses qu'elles. Plus il y aura d'hyènes dans le Serengeti, moins les guépards auront de chances de manger à leur faim. L'avenir des guépards est bien sombre. Les petits qui ont survécu dépendent de leur mère pendant près d'une année et demie. Celle-ci s'épuise à chasser pour les nourrir, et si elle est blessée, les jeunes, trop inexpérimentés pour attraper une antilope, mourront à coup sûr le ventre vide. Dans les plaines du Serengeti, 70% des nouveau-nés disparaissent avant l'âge de 3 mois, dévorés par les lions, les chacals ou les oiseaux de proie. Pour Sarah Durand, la solution passe par une extension des zones de liberté du guépard. Celle-ci peut s'obtenir de deux façons. Soit en tentant d'améliorer les rapports entre les éleveurs et les félins à la périphérie des parcs d'où ils sont systématiquement éliminés, soit en créant de vastes corridors qui leur permettraient de se rendre d'une réserve à une autre. En attendant, le somptueux animal se contente s'il le faut de croquer des insectes, mauvais au goût, mais riches en protéines indispensables. Mais le guépard est tenace. 100 fois sur le métier, il remet son ouvrage. La patience fait aussi partie de son arsenal de chasseur. Le quart des 500 000 éléphants africains se concentre dans le seul Botswana. En période sèche, ils remontent par troupeaux entiers vers la rivière Chobé, au nord du pays. Nicolas y a rejoint Hilde de Vandeleuve, l'une des rares spécialistes francophones des pachydermes. Cette jeune femme d'origine flamande a passé 10 ans de sa vie seule sur ce qu'elle appelle les boulevards des éléphants, des pentes du mont Kenya aux profondes forêts du Congo. T'arrives à estimer combien ils sont là? Il doit y avoir, je sais pas, 500. Il y a une soirée mousse là-bas. Ouais. Incroyable. Ça, c'est incroyable. Incroyable. Ils se vautrent littéralement.
Alors, je veux bien croire que ce soit pour se protéger des insectes ou éventuellement pour penser un peu les blessures, mais enfin, il y a quand même une partie ludique là-dedans. Oui, ça c'est joué, hein. Surtout si tu vois, c'est presque tous les petits là qui sont dedans. Ce qui est marrant, c'est que là, il y a un hippopotame qui est tout seul dans son petit trou d'eau. Et alors, le passage de ces centaines d'autres pachydermes autour de lui a l'air de le laisser totalement indifférent. Oui. Mais moi, j'ai jamais vu des conflits entre éléphants et autres espèces, sauf les petits. Mais c'est pour s'amuser, ils n'ont pas vraiment peur. Alors, le Botswana est un des pays qui a le plus grand cheptel d'éléphants. Oui, mais c'est parce qu'ils ont un terrain très vaste. Il y a jusqu'à 120 000 éléphants. Ouais. Ici, le site de Chobe, ça a l'air qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléphants. Mais au fait, ça, c'est la saison où ils se retrouvent autour des flaques d'eau parce qu'il y a un manquement d'eau. C'est la saison sèche, ce qui fait que pour 6 semaines par année, ils se regroupent ici. Et ils se retrouvent à une densité énorme de 10 éléphants par kilomètre carré. La chance qu'ils ont ici, c'est qu'ils peuvent franchir la frontière avec le Zimbabwe, avec la Namibie sans être trop inquiété dans les deux autres pays qui ont des politiques de préservation assez similaires, enfin assez efficaces quand même, alors qu'il y a des endroits où malheureusement les éléphants sont confinés et savent très bien qu'ils ne peuvent pas sortir. Ouais. Mais ça, c'est presque le seul site où tu pourras trouver des éléphants en quantité pareille. C'est toi qui me dis. Non, ça va, il ne va rien faire. Il ne va passer sans lui. Comme Hildeux a passé la plus grande partie de sa vie en compagnie d'éléphants, je lui fais confiance sur l'interprétation du langage sonore et visuel. Il passe seulement, c'est... Parce que c'est pas une petite jeep comme ça qui va les effrayer. Ah, mais moi aussi j'ai un klaxon, je peux éventuellement. Si les éléphants du parc national de Chobe sont privilégiés par rapport à leurs congénères du reste du continent africain, ils ne sont pas pour autant à l'abri de lourdes menaces que l'équipe d'Ushuaïa Nature va tenter d'évaluer. À Savuti, au sud du parc national de Chobe, les hordes d'éléphants se partagent quelques maigres basques d'eau boueuse. Il est rare qu'un groupe de femelles accompagnées de petits puisse y patauger très longtemps. Les grands mâles font régner la terreur sur les lieux au nom d'une draconienne gestion du précieux liquide. Regarde ça. Ouais. Quelqu'un qui voit un signal du départ. Ça, c'est un mâle qui arrive. Ouais. Incroyable. Mâle qui arrive. Regarde ça, regarde. Oula. Ils ont même pas eu le temps de se rincer, les pauvres. Ouais, n'est pas très sympa. Ils sont partis, ils avaient encore du savon partout. Et là, de nouveau, il va et vient ici, c'est incroyable. Ce point d'eau est resté d'un calme absolu malgré la présence de 6 ou 7 grands mâles. Ouais. Et puis tout d'un coup, c'est devenu une pagaille absolue. Oui. À ton avis, pourquoi ? Difficile ? Ils veulent tous de l'eau. Les mâles s'écartent quand les femelles viennent, mais quand l'eau est vraiment rare, quand il y a très peu d'eau, les mâles ils chassent les femelles de la clairière. Ces flaques d'eau, c'est vraiment essentiel ici. Ça a une valeur très importante dans leur mouvement, justement. Ils se déplacent entre flaques d'eau qu'ils partagent pour l'instant avec une densité d'éléphants qui est phénoménale. Il y en a un qui utilise les douches jusqu'au bout, là. Lui, il veut en avoir pour son forfait. Pourquoi les prédateurs pour les petits éléphants ? Ça pourrait être les lions et les hyènes. Parce qu'il y a, un taux de mortalité très important chez les petits. Oui, mais ça, c'est surtout lié à une femelle qui a un petit quand elle est vraiment jeune. Elle ne sait pas toujours, parce que tout est appris. Elle apprend de sa mère. C'est pour ça qu'ils vivent dans des groupes avec une matriarche. Donc, ils apprennent tous de génération en génération. Et les jeunes femelles ont la tendance de négliger un peu leurs petits. C'est ça qui fait la mortalité très grande.
Les mâles restent avec leur mère jusqu'à quel âge, à peu près? Jusqu'ils sont subadultes, quand ils commencent à être sexuellement matures, on les chasse de la groupe pour éviter l'inceste. Il y a un système chez les autres espèces, c'est parfois les femelles qui émigrent. Chez les éléphants, c'est plutôt les mâles. Et souvent, tu vois des petits groupes de mâles ensemble, qui voyagent ensemble, à la recherche des femelles. Regarde. Oula, là, il y a un début de bagarre. Ça, c'est joué. Ouais. Ça, c'est magnifique. C'est des jeunes qui testent leur force. Oui, c'est une forme d'entraînement. Ouais. Et on entend les défenses qui cognent. Bientôt, ils vont probablement partir du groupe pour vivre tout seuls. Et ils savent déjà un peu qui est beaucoup plus fort. Et ça évite des vrais combats. Oula, c'est ça qui... Là, il y a quelques excités qui arrivent. Oh, fais gaffe. Hein. On va mettre la main sur la clé de contact. Non, ils vont rien faire. Sans, simplement... On dit que les éléphants ont conscience de la mort. Ouais. On a vu des éléphants venir longtemps sur le squelette. Oui, ils sont un tracé dans les os et ils emportent les os. Mais c'est un peu difficile à interpréter ce que ça veut dire. Les gens qui ont vécu beaucoup avec les éléphants disent que quand une mère perd un petit, on peut y lire une forme de tristesse, à prendre avec beaucoup de précaution. Mais pourquoi est-ce que les éléphants n'auraient pas un registre de sentiments aussi varié que le nôtre? Oui, c'est possible, parce qu'on voit de compassion dans des autres choses. Par exemple, au Tsavo, il y a un éléphant qui était né avec un handicap, quoi, avec un petit tronc de quelques dizaines de centimètres. Une trompe, donc, tu veux dire. Oui. Ouais. Donc, ce qui veut dire, normalement, dans les autres espèces, quand il y a un petit qui est né avec un handicap, on le rejette. Il est exclu, ouais. Oui. Chez les éléphants, non, cet éléphant est même vraiment bien protégé, plus protégé que les autres. Ils sont... Au contraire, il a un bénéfice d'affection. Le groupe est vraiment agressif quand les autres éléphants arrivent. C'est pas sûr qu'il va survivre, mais tout de même, ça montre la compassion des autres. Et bon, c'est aussi les histoires des éléphants, justement, qui adoptent des autres éléphantaux orphelins. C'est très commun chez les éléphants. Ce qui est fou, c'est d'imaginer que ce qui a occasionné la pire prédation des éléphants, c'est la convoitise de leur ivoire. Ouais. Pour une utilisation la plus stupide qui soit, si ça avait été vital pour l'humanité, mais qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui portent de l'ivoire. Ouais. Regarde ça, rien. Oula. Combat titanesque. C'est impressionnant. Hein. Ouais. Fois chassés par les vieux mâles ombrageux qui vont rester assabutis autour de leur dernière goutte d'eau, les troupeaux de femelles et de jeunes prennent le chemin de l'exil. Ils se dirigent alors 100 km plus au nord, à la jonction de trois pays, le Botswana, la Namibie, le Zimbabwe, où coule la rivière Chobe. Aux heures chaudes de la journée, les pachydermes se précipitent sur les rives sablonneuses pour engloutir la centaine de litres d'eau qui leur est quotidiennement nécessaire. De temps à autre, ils traversent avec précaution la large rivière pour se rendre sur les îlots herbeux formant une improbable frontière avec la Namibie. Ces incursions aux limites du parc semble rendre les éléphants plus nerveux. Ils savent que la protection dont ils bénéficient devient plus aléatoire. C'est certainement pour cette raison que les vieux mâles évitent les migrations. Si les pachydermes sont si nombreux à s'être regroupés à Chobe, c'est parce qu'ils se souviennent, ou bien qu'ils ont appris qu'ailleurs,
ce n'est pas tout à fait pareil. Regarde s'il y a de la profondeur. Ouais, ça va, c'est bon. C'est toujours important avec les hippopotames et les éléphants de vérifier qu'on n'est pas dans 50 cm d'eau. Parce que là, ils sont très à l'aise, les uns et les autres. Regarde ça, c'est extraordinaire ça. Tu vois ? Regardez ça. Regardez. Tu crois que c'est une tentative ? Ils sont bien jeunes pour une activité. C'est un jeu. Je crois que c'est trois mâles même, c'est pas une femelle. Ah bon ? Faudrait voir. Ben moi, je veux bien aller voir, mais je te laisse le soin de... Et si c'est une femelle, elle n'a pas trop envie qu'il l'approche, quoi, comme tu vois. Ils sont précoces, ceux-là, non? Peut-être que, justement, il est trop jeune. Ce mâle, il est trop jeune. Et la femelle, elle ne paraît pas plus âgée non plus. Pour une femelle, elle est adulte. Pour un mâle, la même grandeur qu'une femelle, c'est pas très vieux, quoi. C'est un cérémonial, non? Alors voilà, lui nous a entendu. Il va venir faire le fier. Il va protéger sa groupe. À droite, c'est le maître nageur. Il surveille la piscine. Là, on a entendu la petite vibration. Ouais. Et on s'est aperçu qu'au-delà des barrissements célèbres que tout le monde connaît, le domaine d'expression des éléphants est beaucoup plus étendu. Mais ce sont des sons que nous, on ne peut pas entendre. Parce que... Oui, il faut expliquer que l'oreille humaine perçoit un spectre de fréquence très faible par rapport à des animaux. Ouais. Chez nous, notre limite basse est d'une fréquence, c'est quoi ? C'est 20 hertz. Chez les éléphants, c'est entre 14 et 35 hertz. Ce qui fait que nous, on les entend comme des ronflements. Ça. Donc, mais en même temps, pour nous, on les entend faiblement. Eux, c'est avec une puissance très, très forte. Très, très forte. Mais ça, c'est les infrasons, justement. Il y a eu un test de fait. Comme ça, on avait mis à des éléphants des colliers émetteurs. Et on s'est aperçu que deux éléphants à une dizaine de kilomètres de distance se déplaçaient dans le bush sans se voir. Ouais. Et quand un allait à gauche sur le tracé, l'autre allait à gauche, il y avait un tracé parfaitement parallèle, ce qui veut dire qu'ils étaient à distance capables de se coordonner. Et les infrasons, c'est une bonne manière de rester en contact, surtout le soir et le matin, quand l'air froid va dans les vallées et il y a une couche d'air chaude dessus. Les infrasons, ça passe vraiment bien. Oui, ça c'est une étude récente qui monte en fonction de la température. Ouais. Les ondes passent plus ou moins bien. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a plus de communication le matin et le soir. Ouais. En tout cas, on a pu s'apercevoir qu'un éléphant, il avait un carnet d'adresses sonores. C'est-à-dire qu'il pouvait garder en mémoire des centaines de sonorités d'éléphants qu'il peut identifier. Ça lui permet de savoir si ce sont des éléphants qu'il connaît ou pas. Qu'avec plusieurs années d'écart, il reconnaissait ces éléphants uniquement à la signature sonore. Oui. Et que ça, c'est ce que l'on commence à découvrir sur la communication tout à fait exceptionnelle des éléphants, qu'on peut un peu mettre en comparaison avec celle des baleines, justement, qui sont capables d'envoyer des signaux de basse fréquence à plusieurs dizaines de kilomètres. Ouais. Il y a aussi Steve Gulick qui a enregistré des sons de baleines et qui les a joués pour des éléphants. Et alors ? Pour voir ce que ça donne, ça n'a rien donné. Si les baleines et les éléphants avaient pu communiquer entre eux, alors tous les espoirs auraient été permis pour nous un jour parler avec les Martiens. Regarde, il y a tous les éléphants qui descendent de la dune là-bas. Tu dis qu'un mâle, il faut qu'il attende quel âge pour pouvoir se reproduire ? Il attendra jusqu'à environ 30 ans. Enfin, c'est-à-dire que si un éléphant est tué avant 30 ans, il n'aura pas eu le temps de...
C'est ça toute l'histoire, parce que des mâles au-dessus de 30 ans, déjà aujourd'hui, ça devient de plus en plus rare. Donc pour la survie de l'espèce, c'est beaucoup plus grave de tuer un mâle de cet âge-là qu'une femelle, ou même un troupeau de femelles. Ici en surnombre, ailleurs en voie d'extinction, l'éléphant symbolise tous les dérèglements des écosystèmes générés par l'homme. Que va-t-il advenir de ces immenses troupeaux prisonniers de parcs devenus trop exigus pour pouvoir immigrer à leur aise? En conflit avec les populations locales, en raison des lourds dégâts qu'ils infligent aux forêts et aux cultures, ces éléphants ne parviennent même plus à se partager les ressources naturelles. On murmure ici que pour établir un certain équilibre, il faudrait en abattre 45 000. Ce ne sera jamais fait. Mais la faim et la soif aboutiront peut-être au même résultat. Est descendu au sud-est du delta, dans les pannes du Makanikani. De grandes cuvettes argileuses qui se remplissent très rarement d'une eau saumâtre à la saison des pluies. Ces pannes ont formé en d'autres temps le plus grand lac du continent africain. Avec plus de 80 000 km², il était 200 fois plus important que le lac de Genève. Encore une fois, si le fleuve Okavango n'avait pas vu son cours brisé par la formation de la faille occidentale du Grand Rift, il aurait certainement poursuivi l'alimentation de cette quasi-mer intérieure dont il ne subsiste que le fond. Nicolas a rejoint David Rosan, un ornithologue franco-américain qui étudie les autruches considérées par les Bushmen comme leur frère oiseau. En route vers les zones où les autruches sont à l'abri des prédateurs, David tient à montrer à Nicolas l'animal le mieux adapté aux rigueurs du Kalahari. C'est rare, ces hyènes-là? La hyène brune, c'est une espèce qui est en voie de disparition. On pense qu'il reste 7000. Par rapport aux hyènes tachetées, c'est beaucoup plus petit? Non, c'est à peu près la même taille. Et c'est un animal assez remarquable dans la mesure où c'est plus tellement un prédateur comme sa cousine éloignée, la hyène tachetée, mais un omnivore qui peut tout glaner dans la vie du désert et qui prend ce qu'il y a, qui peut passer toute sa vie sans boire une goutte d'eau et qui peut tout digérer, c'est-à-dire le peu qu'il peut trouver. Imagine manger un os et soutirer de cet ossement le peu de matière organique qui reste, même avec des ossements très âgés. Il faut déjà les mâchoires pour broyer l'os. Et donc un système de digestion qui a été comparé à peut-être la chose la plus perfectionnée qui soit. On peut dire qu'elles sont opportunistes alors, au niveau nourriture. Complètement. Mais elles sont obligées de l'être. Et ce métabolisme et cette attitude toujours très très calme, notamment quand les jeunes sortent jouer, c'est toujours des jeux au ralenti. C'est un animal très très respecté des Bushmen, parce qu'ils se partagent le même système de subsistance. C'est des glaneurs du peu qu'il y a dans le désert et du peu que le désert a à offrir à la vie. David surveille actuellement deux nids dans lesquels les œufs d'autruche sont prêts à éclore. Le plus grand des oiseaux, depuis que l'oiseau éléphant de Madagascar a disparu au XVIIe siècle, mesure près de 2 mètres pour le poids de deux hommes. Il appartient à la famille des ratites qui ne volent plus, comme l'émeu, le kiwi ou le nandou. Vous savez,
laisse des grosses traces. Hein. Ouais. Mais ça, c'est que l'autruche, avec quelques petits cousins qui habitent en Amérique du Sud, en Australie, est le seul oiseau à n'avoir plus que deux doigts pour qu'il y ait moins de contact au sol, ce qui lui facilite la course. Et là, on voit carrément la trace de la griffe que l'autruche va utiliser, notamment pour se défendre contre les prédateurs. Et parce qu'à défaut de voler, c'est quand même un oiseau qui peut faire des pointes à plus de 50 km/h. Ça fait des bonds incroyables, ça fait des enjambées de quoi, de 8 mètres comme 8 ça. Mètres. Hop. Ouais. Tiens, voilà le nid. Par là? Ouais, il est juste là-bas. Celui-là, tu l'as surveillé depuis quelques jours? Ouais, ça fait à partie des 10 nids à peu près qu'il y a dans la région. Et un nid, c'est quoi? C'est quelque chose qui est posé au centre d'un territoire mâle. Ça fait quoi comme surface? En plus de 15 km2, c'est énorme. C'est à peu près à la mesure de la taille de l'oiseau. Donc lui, il va défendre ce territoire contre les autres mâles. Il va attirer et une femelle dominante et des femelles satellites. Et il va donc copuler avec toutes ces femelles. Et toutes ces femelles vont pondre dans ce nid gigantesque. Mais c'est une seule femelle, la femelle dominante, qui va s'occuper de couver les œufs avec le mâle par la suite. La femelle dominante accepte que d'autres femelles viennent pondre dans son nid. En contrepartie, elle va s'en servir un peu pour satisfaire les petits prédateurs qui viendraient manger les œufs et qui seraient rassasiés de un ou deux œufs. Mais elle garderait toujours au centre ses propres œufs à elle pour les protéger. Et elle va repousser les œufs des copines vers l'extérieur. Donc là, pour faire mentir le proverbe, celle qui s'en sort le mieux, c'est celle qui a mis tous ses œufs dans le même panier. D'accord. Ben, y a un œuf supplémentaire là, qui a été pondu. Il y en avait 14 l'autre jour, là ça fait 15. Et il faut en moyenne 2 jours pour une femelle d'arriver à fabriquer cet engin qui pèse à la ponte à peu près 1,5 kg, voire 2 kg. D'ailleurs, je vais les peser tout de suite. Là, les parents aident à l'éclosion ou ce sont les petits qui se débrouillent tout seuls? Il y a l'œuf qui explose. Ah oui. C'est le seul au monde qui fait ça. Savoir, c'est que les œufs d'autruche sont plus gros que les œufs de dinosaures qu'on a trouvés dans des gisements fossiles et qu'actuellement, c'est la plus grosse cellule qui existe sur Terre. Ouais. Combien? 2 kg. Ce qui montre bien que l'œuf est en voie de développement et qu'il y a un embryon à l'intérieur qui va devenir, on l'espère, un bébé autruche. On sent qu'elles sont sur leur garde, hein, quand même. Ouais, ouais, ouais. Là, c'est un mâle dominant et une femelle dominante. C'est le moment le plus délicat pour ces oiseaux parce que, évidemment, les autruchons sont des proies faciles pour les prédateurs. Pour tous les prédateurs, en plus. Ce qui est amusant, c'est qu'avec les autruches, on arrive à voir du comportement. Oui, et puis voir ça, moi, ça m'impressionne toujours devant une autruche. Il y a beaucoup de gens qui méprisent ça parce que ça a l'air un peu stupide. En fait, ils vivent sur quoi, 30-40 années. Et ce sont des animaux qui font des choix au courant de leur vie. Ce sont des animaux intelligents. Et ils savent faire semblant aussi pour éloigner un prédateur. Oui, c'est ce qu'on a vu là, mais ce qui arrive souvent. C'est-à-dire qu'elles vont feindre d'être blessées pour attirer le prédateur loin du nid. Pour que le prédateur oublie l'existence du nid. Le mâle va se lever, il va faire l'autruche ivre-mort. Et il va battre des ailes comme ça, il va faire comme si tous les os de son corps étaient cassés et tous les 5 mètres, il va s'effondrer. Ça va faire un gros bruit comme ça. Faire semblant d'être blessé pour éloigner le prédateur, c'est une très belle stratégie. Pour se défendre, il n'y a pas que la fuite, il y a aussi le fameux coup de pied d'autruche, toute cette musculature, et puis au bout des pattes, un ongle très très puissant et un peu facilement tuer un homme. Le coup de bec doit être pas mal non plus. Hein. Ouais. Tu les vois plus les oisillons, tu les vois? Ils sont avec le mâle, juste en dessous du mâle. Là, on voit tout l'art du camouflage du bébé oisillon, là. Complètement, là, il commence à se disperser, on s'arrête. La copie. Ils ont à peu près la même couleur que l'herbe dans laquelle ils sont nés. Et là, cette ponte, je l'ai suivie, il doit y en avoir 14 en moment. 14 petits. Le mâle couve aussi, hein. De nuit. Lui, en fait, le mâle, de nuit, lui. Ce que lui fait dans le désert, comme il fait assez frais ici, c'est qu'il réchauffe les œufs. Alors que la femelle qui couve de jour, elle ne les incube pas, elle les maintient justement à la bonne température, elle les rafraîchit. Il supporte des variations de température importantes parce qu'il y a certains endroits en Afrique où il peut faire 0 degré la nuit. Il supporte pas la température, il joue avec. C'est un métabolisme très sophistiqué. C'est un génie d'adaptation, de même que la course. Le camouflage des oisillons. C'est grand, déjà. Ça prend 1 cm par jour, je crois, quand ça... Et ça met à peu près 2 ou 3 ans avant d'arriver à maturité sexuelle. Et dans les prédateurs, il y a aussi les oiseaux qui sont des prédateurs, des œufs d'autruche, les vautours. C'est les vautours percnoptères. Qui, eux, utilisent un stratagème, c'est-à-dire qu'ils prennent
des petits cailloux. Ils vont lancer ça contre l'œuf jusqu'à ce que l'œuf se brise. Et puis la récompense, c'est à peu près 24 fois en volume un œuf normal, un œuf de poule. Les hyènes aussi peuvent s'attaquer. Oui. Mais les hyènes ne mangent très salement et elles n'arrivent pas à avoir une bonne stratégie. Elles les cassent comme ça, elles en perdent plus de la moitié. Alors que les lions sont très très rusés. Ils font juste un petit trou dans l'œuf d'autruche et puis comme ça vont absorber le jaune qui est à l'intérieur. La même chose pour la hyène brune, elle perfore juste un petit trou comme ça il n'y a aucune perte. Mais la grosse hyène tachetée, elle mange très seulement. Là, dans le groupe qu'il y a, malheureusement, tous n'arriveront pas à l'âge adulte. Non, non, il y a moins de 20% qui vont arriver à l'âge adulte. Ouais. Là, je pense qu'on peut éventuellement tenter de nous approcher plus près. Je sais pas si ça branche, mais bon. Allez. C'est dans la nuit le plus possible. Impeccable. Ça, c'est donc la plume. Et la caractéristique de la plume de l'autruche, c'est que une plume normale, toutes ces parties plumes seraient rejointes entre elles. Là, c'est complètement filiforme. Ça serait inapte au vol. Ouais. Mais c'est une extravagance qui sert à quelque chose parce que c'est ce qui permet justement de se rafraîchir. En dressant toutes les plumes sur le corps comme ça, ça fait une ventilation. Un mini-ventilateur sur le corps. Donc ça, multiplié par des centaines de plumes, voilà. C'est pour ça que les danseuses du Crazy Horse sont jamais chaudes, quoi. Et j'ai une petite anecdote là-dessus, c'est que l'industrie de la plume s'est arrêtée grâce à la voiture. Puisque les femmes ne pouvaient plus porter ces grands chapeaux à plumes dans les voitures, donc l'industrie s'est cassée la gueule et l'autruche a été sauvée par la suite. Si aujourd'hui les autruches sont moins menacées, il faut se rendre plus à l'est, au Zimbabwe, pour observer les rhinocéros qui ont pratiquement disparu du Botswana. Représentant les plus symboliques de la faune en danger, ils sont de véritables rescapés de la préhistoire. Dans la région du Matopos, à l'ouest du pays, Nicolas est accompagné d'Innocent, un garde du parc national, qui sait approcher sans les effrayer ces énormes animaux dont le poids avoisine 2 tonnes. Innocent, c'est un rhino blanc ou noir ? Blanc. Pourquoi vous les appelez les rhinos blancs ? On les appelle comme cela à cause de leur bouche, très large. La confusion entre wide, qui veut dire large, et white, qui signifie blanc en anglais, est à l'origine de leur appellation de rhinocéros blanc. Les Afrikaners disent white rhinocéros, ce qui fait référence à la largeur de la bouche. C'est de cette erreur de compréhension que provient leur nom. Ce sont des rhinocéros blancs, la morphologie n'est pas la même, le corps est plus épais, la taille est plus grande. C'est des éléments essentiels qui les distinguent les uns des autres. Il n'y a aucune interaction entre les rhinos noirs et les rhinos blancs. Du calme. Magnifique de terminer sur une rencontre comme cela, parce que quand on sait combien la présence des rhinocéros sur le sol africain devient de plus en plus aléatoire. Et cette présence de ces pachydermes a quelque chose à la fois de rassurant et d'inquiétant. Rassurant parce que voilà un bon exemple. Quand la communauté y met les moyens, ces rhinocéros blancs étaient au seuil de l'extinction. Il en restait à peine une centaine. Et maintenant, ils sont plus de 8000. Mais à l'inverse, les rhinocéros noirs, qui est la deuxième espèce de rhinocéros en Afrique, était 1 million au début du siècle, il n'y en a plus que 2700 dans tout le territoire africain. Quand on pense que leur seul déclin n'a d'autre raison que l'utilisation abusive de leurs cornes ou des substances que l'on a pu en extraire pour la médecine asiatique, dont les vertus n'ont jamais été prouvées, ou l'utilisation pour les fiers guerriers yéménites pour en faire des fourreaux pour des poignards. Quand on pense que les premiers grands colonisateurs
parmi lesquels par exemple le comte Teleki qui se targuait dans ses carnets de voyage d'avoir abattu 6 ou 7 de ses mastodontes dans une même journée ou plus de 70 dans une seule expédition. Cela explique la rapidité avec laquelle ces populations ont décliné. Quand on voit la facilité déconcertante avec laquelle on a approché ces animaux, ça relativise les récits héroïques des chasseurs qui se targuent de dangers et de risques encourus pour avoir abattu ces bêtes-là. Quoi de plus facile si l'on avait un fusil? Quelle bêtise! Regardez les oiseaux posés sur le dos du rhinocéros. Et c'est ce que l'on appelle un échange à bénéfice réciproque du mutualisme en éthologie, c'est-à-dire que le rhinocéros se laisse complaisamment débarrasser par ses oiseaux des parasites qu'il a sur le corps, jusqu'à les laisser d'ailleurs rentrer quasiment dans l'oreille et regarder. Et ça permet à ces oiseaux de se nourrir facilement. Donc tout le monde y trouve son compte. C'est superbe. Hop. Carrément craquant parce que il replie sa patte sous la tête comme ça. Il y a presque une attitude de chien. J'ai l'impression que ce rhinocéros nous délivre un message comme ça. Non pas de soumission, mais pour nous montrer combien leur agressivité est quasi nulle. C'est totalement émouvant. Aucune protection armée, d'ailleurs interdite au Botswana, n'a veillé sur toutes ces rencontres. Le danger est souvent imaginaire, surtout si le respect domine la relation entre l'homme et l'animal sauvage. Alors, faudra-t-il attendre de les observer seulement en images de synthèse, comme les dinosaures, pour s'apercevoir qu'ils nous manquent irrémédiablement? Écoutez là-bas le petit qui essaye désespérément de téter sa mère, qui n'a pas l'air d'accord, et le cri, la supplique qui ressemble sur le plan sonore à un chant de baleine, c'est assez étonnant. Et quand on passe en revue toutes les scènes que l'Afrique a bien voulu nous confier ce soir dans ce périple en Afrique australe, et qu'on essaie un instant de replacer ça à l'échelle du cosmos. Parce qu'il faut imaginer quand même que, probablement, jusqu'à preuve du contraire, dans cette immensité, il n'y a qu'à la surface de notre petite planète que la vie s'est développée avec une telle diversité. Et la somme de contingences et de coïncidences qu'il a fallu pour parvenir à ce prodige est pensée dans le même temps que par notre seule ignorance ou notre seule inconscience, l'on risque de compromettre tout cela, ça n'est pas admissible. Et sans vouloir gâcher la fête du sauvage, je me dois de répéter comme une synthèse des inquiétudes de tous les scientifiques qui étudient les grands animaux. Il y a péril en la demeure. Imaginez que des animaux aussi imposants que les éléphants ou que les rhinocéros viennent à disparaître, qu'adviendra-t-il d'animaux beaucoup plus insignifiants? Je crois qu'il est plus que temps que l'humanité fasse allégeance à la nature et surtout que l'on cesse de croire que l'affection, ou tout au moins le simple respect que l'on porte aux animaux, nous éloigne de l'humain ou nous abaisse. Je crois qu'au contraire, cela élève la dignité humaine et souligne la véritable dimension de l'homme. Et comme l'a écrit un paléontologue, Pascal Pic, qui s'est beaucoup intéressé justement aux animaux, l'homme n'est pas le seul animal qui pense, mais il est sans doute le seul qui pense qu'il n'est pas un animal. À méditer, bonsoir.